Hey everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va impeccable. Donc cette vidéo, c'est la partie 2 de l'MP7 Tokyo Marui. Donc vous avez pu voir la première vidéo, donc la review de cette réplique. Aujourd'hui, on va s'attaquer plus précisément à la partie tir, donc ce qui intéresse plus souvent les personnes qui auront des reviews de répliques, ce qui est entièrement normal. Donc là, on va faire des tirs comme ça pour faire montrer un peu comment ça fonctionne. On va voir aussi la capacité du chargeur au niveau du gaz. Donc combien de tirs juste une recharge de gaz peut faire. Donc là, justement, c'est cool à savoir. Surtout moi, en plus, qui ai fait une game il n'y a pas longtemps. Et j'ai qu'un chargeur parce que les chargeurs d'MP7 Marui coûtent trop cher. Donc là, ça vaut le coup de voir si on doit emporter avec nous notre bouteille de gaz ou pas. Aujourd'hui, on va faire le test avec ce gaz-là. Donc, l'ATM 130 PSI. Franchement, c'est ça que j'ai utilisé pour l'MP7. Comme vous savez que du Marui, il ne faut pas des gros gaz. Voilà, comme c'est du plastique et tout ce qui est nozzle et tout. C'est assez fragile. Même si c'est quand même de la bonne truc, c'est quand même pas mal. Hein. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Donc, j'ai regardé un petit peu pas mal de joueurs pour voir ce qu'ils utilisaient comme gaz. Et donc, je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas tous les gaz en tête. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Moi, j'ai voulu tester le 130. Mais apparemment, le 130 est quand même un petit peu puissant pour celui-là. Mais franchement, il fait grave le taf. On va pas aller jusqu'au 150 comme j'ai aussi là-bas. Je ne l'ai pas testé, mais il vaut mieux pas. Vous pouvez tester aussi le 110. C'est le prochain achat que je ferai pour tester. Sauf que là, on est au 130. Donc celui-là, c'est le verre donc lubrifié. On se recoue. Hop là. Voilà. Là, la charge de gaz est entière. Donc maintenant, on va s'occuper. On va peut-être grailler le chargeur et on va tirer tout ça. Bon alors il fait une quinzaine de degrés à peu près. Ouais à peu près. Donc avec le gaz qu'on a vu tout à l'heure, la TM 130, les billes y sont. Et allez. Ok.